précédé par des majorettes, un cortège parcourait la ville, proclamant son détachement de tout ce qui était américain. C'était l'année dernière, à La Havane. On se préparait à célébrer dans l'ordre le 1er janvier qui est le 1er janvier, le 2 janvier qui est l'anniversaire de la Révolution, et le jour des rois qui est Noël, le vrai Noël, le jour des cadeaux où l'on offre aux enfants des bébés chiens qui grandiront, des bébés lapins qui grandiront, des perruches baptisées poissons, des ours et des poupées, et aussi des bébés mitraillettes qui grandiront. Dans la vitrine d'un grand magasin, les rois mages prenaient les commandes par téléphone. Un grand homme barbu à qui l'on peut tout demander, cela fait partie, à Cuba, du folklore. Teresita, a ver Teresita, pégate un poquito atrás de la pared. A ver, mira para acá. A ver Teresita, ¿qué tú quieres que te regale? Una muñeca. ¿Están tomando película? Y un juego de lotería. Una muñeca y un juego de lotería. ¿Y más nada? No nada. Óyeme, ¿cómo tú te has portado, Teresita? Bien. ¿Y has estudiado mucho? Sí. ¿En qué grado tú estás ahora? En estudio en barrio. ¿Cuántos años tú tienes? Cinco. ¿Cinco años? Magnífico. ¿Y tú te comes toda la papa, Teresita? Sí. ¿Sí? ¿Y tú quieres más aparito? Sí, está jugando. Guárdate la mano, tú tienes pio. ¿Eh? ¿Cómo te llamas, viejo? Jorge. Jorge. Siete, ocho años. ¿Ocho años? ¿Estás en la escuela? Sí. ¿Qué grado está? En segundo. Ah, bien. Oye, ¿qué tú quieres que te regale? Un tren. Una escopeta. Una ametralladora. Una muñeca grande de bailarina. Con una bicicleta y dos muñecas. Un portaavión. Una ametralladora. Una escopeta. Una muñeca. Un portaavión. Or, les adultes aussi avaient leur roi mage. Sur l'immeuble de la télévision, Fidel Castro, Che Guevara et Juan Almeida apportaient au peuple cubain les trois présents de la Révolution. L'industrialisation, la réforme agraire et l'alphabétisation. Sur 6 millions de Cubains, un quart ne savait ni lire ni écrire. 1961 serait l'année de l'éducation. Chaque Cubain lettré devenait responsable de chaque Cubain illettré. Cette notion nouvelle de responsabilité, l'Église catholique tentait de la reprendre à son compte. Cet enfant sera croyant ou athée, cela dépend de vous. À quoi la Révolution répondait, cet enfant sera un patriote ou un traître, cela dépend de toi. Cela se passait à La Havane, cette ville américaine, ce concentré d'Amérique, greffé sur la peau cubaine comme un vaccin. La Havane, où les hôtels casinos n'ont pas le 13e étage, souvenir des temps pas si lointains où le jeu était ici la principale industrie, avec la prostitution et une variété publique du cinéma clandestin. Mais dans ce décor new-yorkais, il y a une façon cubaine de régler la circulation. Il y a une façon cubaine de regarder dans l'objectif, d'être curieux, d'être coquette, d'être patriote. C'était le jour de l'an, la semaine des rois, l'année de l'éducation, la fête. C'était aussi le temps des pompes. Un grand magasin avait brûlé, la foule se rassemblait, commentait, interprétait. Demandant pour les traîtres le paredon. Ce n'est pas le pardon, mais le poteau. Cependant, le grand creuset des passions, c'était encore le baseball. Fidel Castro lui-même y avait mené à la victoire l'équipe des Barburos. À côté des slogans révolutionnaires, des affiches touristiques,
rappelait que l'Amérique était à moins d'une heure de vol. Cette foule était menacée, et elle le savait, de l'intérieur, de l'extérieur. Il y avait les bombes, les maquis contre-révolutionnaires, des avions de nationalité inconnue ayant volé moins d'une heure, apparaissaient, frappaient, disparaissaient. Qui défendrait cette foule en cas d'attaque? Elle-même. Les miliciens en route pour le défilé du second anniversaire, à l'aube du 2 janvier, n'étaient pas des soldats. Ils étaient les spectateurs du baseball, les promeneurs du jour des rois. Fidel Castro allait leur dire des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre les jours de défilé militaire. Nous n'aimons pas les parades. Nous n'aimons pas la guerre. Nous vivons dans un monde où il faut se défendre et nous saurons nous défendre. Mais nous aimerions mieux nous passer de canons et voir défiler des gymnastes. Les grandes démonstrations populaires à La Havane, on a dit que c'était la place rouge à Broadway. Mais au cœur de la foule, les images devenaient plus précises. Tout était cubain dans cette célébration. Le bruit, la beauté des filles, mais jusqu'à une façon cubaine de peler les oranges à la machine qui ajoute des serpentins à la fête. Jusqu'aux étudiantes, volontaires pour la campagne d'alphabétisation, et qui existent en trois parfums. Espagnol, la noire et la mulâtresse belle comme une éclipse. Jusqu'à une façon cubaine de boire l'eau fraîche ou le Coca-Cola nationalisé. Ce que chantaient les haut-parleurs le 2 janvier, c'était une histoire assez proche. Deux ans d'histoire et au-delà, une préhistoire un peu légendaire, où apparaissaient des inconnus généralement barbus. El Che, Raoul, Camilo, ou encore un jeune avocat devenu chef de maquisards. Un peu mal à l'aise devant la caméra, ça devait lui passer, et qui s'appelait Fidel Castro.
12 hommes au début, survivants d'un débarquement plutôt risqué. Puis d'autres hommes, d'autres femmes les rejoignent. Un maquis s'organise dans la Sierra Maestra, la plus grande région montagneuse de l'île. Il faut communiquer, subsister, s'armer. Les villageois aident les maquisards. La population connaît leurs journaux et leurs tracts. Entre les accrochages et les coups de main, un contact s'établit avec la masse paysanne la plus pauvre de l'île, qui contribue à dégager le sens du combat. D'abord, abattre une dictature. Ensuite, construire une société nouvelle. Et si tout le monde finit par être d'accord sur le premier point, le second est lourd de problèmes pour l'avenir. Pendant l'hiver 1958, sur la télévision qu'ils ont construite eux-mêmes, les combattants de la Sierra voient se disloquer la défense ennemie. Le dictateur Batista, pour sauver sa sortie, a préparé un gouvernement de transition, qui ne gouvernera jamais. Les derniers sursauts du régime le plus corrompu de l'histoire cubaine se mêlent aux actualités sportives. Les grands bouleversements sont proches. Mais pour le reste du monde, et particulièrement pour les Américains, il est plus commode de ressusciter les mythes. Fidel Castro, c'est Robin des Bois. C'est peut-être Robin des Bois. Seulement prendre aux riches et donner aux pauvres siècle où nous sommes ne consiste pas forcément à attaquer les diligences. Et lorsque Robin des Bois a lu Marx, lorsque dans ces montagnes il prépare les lois et les réformes de la future République, une partie du monde commence à s'apercevoir avec douleur qu'il est en retard aussi dans Robin des Bois. Ley tras otra ley, leyes para los de abajo, para el hombre sin trabajo, muerto de hambre en el batey. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Ainsi meurent les légendes. Le mythe de Robin des Bois vole en éclats. À sa place, une révolution. Du travail pour tous, la terre à ceux qui la cultivent, les logements à ceux qui les habitent et des maisons pour ceux qui n'en ont pas. Quoi de plus évident ? La révolution, c'est faire justement que ce qui est évident devienne vrai. Un pas que les meilleurs esprits ont quelquefois du mal à franchir. Un seul exemple. Il a fallu la révolution pour que sur une île qui possède 3500 km de côte, apparaissent les premières plages populaires. La révolution, c'est aussi trouver de nouvelles ressources, de nouvelles industries. Par exemple, celle du crapaud buffle. Que Gatti n'a pas inventé. C'est même la seule chose qu'il n'a pas inventée et qui sera le crocodile du pauvre. Mais la révolution, c'est avant tout éduquer. De l'alphabet à la poésie, c'est un immense effort pour que la culture aussi appartienne à ceux qui l'enracinent. À l'étranger, bien entendu, ce ne sont pas les aspects culturels de la révolution qui sont le mieux compris et présentés. Pourtant, aux États-Unis même, parmi les clameurs d'effroi et de scandale, des hommes élèvent la voix, invitant leurs compatriotes à un sérieux examen de conscience. Mais l'information a ses exigences. Première page pour les exécutions, entre filet ou néant pour les réformes. Tout le monde verra à la télévision la mort d'un capitaine de Batista.
Mais la refonte du régime des prisons avec ses vacances sur parole et ses étranges compétitions entre prisonniers et gardiens, ce rétablissement de l'égalité sportive dans l'univers du châtiment, personne n'en parlera. Castro a trahi la révolution, dit le département d'État. Et l'on sait de reste avec quel soin jaloux le département d'État veille à la pureté des révolutions. En fait, on hésite à croire que c'est le seul souci des avatars de la démocratie à Cuba qui bouleverse à ce point les États-Unis. Il doit y avoir autre chose. Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero. Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero. Que se acaben de marchar, es lo que más nos conviene. El que menos bultos tiene, goza de más claridad. Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero. Para la leche que da la vaca, que se la tome... L'Église également prend position. Pour elle, Castro est un dictateur, c'est tout dire. Mais même sur ce point, la situation ne doit pas être si simple. À part esto, que puede ser tener un acento emocional, personal, pienso que la revolución cubana trae al país una nueva nación, una nueva patria, unas nuevas esas sociales, la reforma agraria, la reforma urbana, la socialización de las grandes empresas nacionales y extranjeras, son los tres soportes en los que se apoya la revolución cubana. Y estas estructuras que han de ser permanentes van a cambiar la faz de la nación, van a dar prosperidad a la nación, van a industrializar al país, le van a dar sobre todo independencia económica, sin la cual no hay independencia política. Y en definitiva se están resolviendo ya los graves problemas sociales de Cuba. El problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la sanidad en el campo y el problema de la educación. Y esto se está haciendo sin lesionar ni herir a la dignidad de la persona humana, forzando un poco, violentando un poco la haraganería o los vicios ciertamente que había en el país, pero entiendo que eso es acertado y es cuerdo. De modo que, debido a estos inmensos beneficios que la revolución cubana trae al país y que están mucho más cerca del auténtico cristianismo social que el sistema que teníamos antes... Avant, c'est-à-dire sous Batista et son entourage de gangsters autochtones ou importés. Ce temps où le jeune avocat Castro sort de prison après avoir, dans une retentissante plaidoirie, fixé à la révolution future ses buts et son esprit. Mais qui est Castro? Entre le rebelle sans cause et le chef de partisans, entre le fils de grand propriétaire élève des jésuites et le fondateur de la première république socialiste d'Amérique, comment s'est opérée la métamorphose? Tout le monde a sa petite idée sur Castro. Tout le monde l'étiquette et l'explique. Mais puisque tout le monde est capable de répondre à sa place, peut-être lui-même... Bueno, yo creo que c'est una pregunta difícil de contestar. En mi opinión, pues yo era un joven y un niño igual que todos los demás. Es muy difícil de considerar qué factores son los que lo puedan haber convertido a uno en revolucionario. Yo creo que en primer lugar un poco de vocación política. Cuestiones también del carácter de cada cual, carácter algo rebelde, una tendencia natural hacia las cosas, hacia la justicia, oposición innata a todo lo que a uno le parece injusto o inmoral. Esas son partes del carácter que constituyen la vocación. Pero además, ni los revolucionarios ni las revoluciones dependen de ellos mismos. Es decir, las revoluciones ni los revolucionarios dependen de los individuos. Tanto los revolucionarios como las revoluciones dependen del ambiente. No puede haber revolucionario sin ambiente de injusticia, sin condiciones reales que permitan que
alguien con vocación política, vocación revolucionaria, se haga revolucionario. Ni puede haber revoluciones fuera de tiempo. ¿Cuántos Marat y cuántos Dantones y cuántos Robespierre habrán nacido en Francia desde que Francia existe? Y sin embargo, solo un Marat, solo un Danton, solo un Robespierre devienen en revolucionarios. ¿Cuándo? Cuando la monarquía feudal estaba ya en decadencia, al borde de su desaparición, cuando la sociedad francesa ya llevaba en su seno las condiciones de una sociedad nueva, de un mundo nuevo. Y así también en Cuba los factores que me hicieron a mí revolucionario, que hicieron a tantos compañeros míos revolucionarios, que hicieron revolucionario al pueblo y que dieron lugar a una revolución, estaban en la sociedad en que vivíamos nosotros. La sociedad en la que él vivía. Les révolutionnaires l'avaient affronté dès le maquis, lorsqu'ils ouvraient les premières écoles paysannes. Il suffisait de quitter ces fausses villes américaines pour découvrir la réalité de Cuba, celle des pays sous-développés, avec ces chiffres qui disent tout. 1,5 million d'analphabètes, 500 000 chômeurs, 30% des terres aux mains de 1% des propriétaires. Des conditions de vie, de logement, d'hygiène, au-dessous du descriptible. De cette société, le voici. Des palais, des jardins interminables, où les milliardaires de l'époque développaient leur faste de Borgias incultes. Si la connaissance de la nature humaine pouvait nous expliquer qu'ils fussent dingues, qu'ils fussent égoïstes, cyniques, indifférents ou aveugles, il y a une chose que nous avons toujours eu du mal à comprendre. C'était qu'ils fussent chrétiens. Entre la croix, les nymphes et les satyres, un peu métissés de magie noire, venaient se délasser les rois du tabac, les empereurs de la canne à sucre. Ici, rien ne troublait leurs rêves, rien ne se passait. Ailleurs, des choses se passaient. Des enterrements, par exemple. Ceux des victimes de la dictature. 20 000 en 6 ans, massacrés, torturés, quelquefois castrés par la police de ce Batista, qui devait déclarer après les événements d'avril 61. Je souhaite à Cuba un régime fondé sur les principes de la religion chrétienne et de la justice que nous avons donné au peuple en 1940. La résistance qui s'organisait allait renouer avec la tradition de colère populaire que Cuba avait déjà connue en 1933 après une autre dictature. Alors trahi par des gouvernements faibles ou corrompus, la volonté de résistance avait d'échec en échec conquis les raisons de sa victoire. La presse clandestine informait, éduquait, dénonçait les crimes, nommait les criminels. À son tour, la résistance frappait, on barrait des noms sur la liste. Et là-haut, dans la Sierra Maestra, se forgeait la révolution. Mais dans les jardins enchantés, rien ne se passait. Tout y était luxe, calme, parfois volupté. Puis, ce fut l'été 58. Une course tragique à laquelle Fangio n'avait pas participé. Kidnappé par les barbus qui cherchaient à faire parler d'eux. 6 mois plus tard, il n'avait plus besoin de chercher. Le 1er janvier 1959, Batista s'enfuit. Il laissait à Colombia, dans sa cité interdite, la crèche qu'il avait fait construire pour ses enfants et dont nous avons retrouvé 2 ans plus tard les personnages en ruine.
le dictateur demandait et obtenait le droit d'asile aux États-Unis, où il se retirait avec une fortune évaluée à 300 millions de dollars. La seule chose qui restait debout en ce jardin, c'était une statue, celle d'un bébé Napoléon. Tout autour, les miliciens montaient la garde. Pour la première fois en 5 siècles, Cuba appartenait aux Cubains. Bueno, no es que nosotros deseáramos irnos del poder después de la victoria. Nosotros expresábamos que no estábamos movidos en esa lucha por ambiciones de tipo personal, que lo que importaba es que ese programa se llevara a cabo. Ese era el sentido que tenía. Incluso podemos confesar que en algún momento nos hicimos la ilusión de que podía ser posible eso. Quiere decirse que en cierto momento hemos sido un poco utópicos. Y yo le confieso sinceramente que en los primeros días del triunfo de la guerra, después de la guerra, hubo momentos en que nosotros estábamos casi completamente marginados del gobierno. No teníamos absolutamente nada que ver con las decisiones que se tomaban en el Consejo de Ministros. Y creíamos, como si fuese la cosa más lógica del mundo, que quienes tenían en ese momento la principal responsabilidad realizaran una serie de medidas que eran elementales, que el pueblo esperaba y que a nosotros nos parecía que era como el ABC de toda revolución. Transcurrieron varias semanas y sin embargo no había sido aprobada una sola de esas medidas. Aunque nosotros hubiésemos deseado marginarnos, aunque no hubiésemos tenido vocación de gobernantes, y hubiésemos querido marginarnos, no habríamos podido hacerlo. Le pays qu'il leur appartenait de gouverner du jour au lendemain était cette île des Antilles où Christophe Colomb débarqua le 27 octobre 1492, persuadé d'être aux Indes. On voulut lui représenter qu'il avait découvert l'Amérique, mais il s'écria « India si, yino » et nul ne put jamais l'en faire démordre. À l'arrivée des Espagnols, Cuba était peuplée par les Indiens Siboneyes. À leur départ, il n'en restait plus. Ceci malgré les efforts du père de Las Casas et de quelques religieux protecteurs des Indiens qui, remarquant en outre que le travail d'un nègre valait celui de 4 Indiens, favorisèrent l'importation d'esclaves africains. Mais Cuba était possession espagnole. Elle le serait jusqu'au début de ce siècle. Cependant, le dictionnaire universel de M. Bouillet nous avertissait que cette possession est appelée à suivre le sort des autres colonies espagnoles et à être absorbée par les États-Unis, qui la convoitent depuis longtemps. Cette convoitise au soleil de notre siècle libéral deviendrait une influence et aussi un monopole. Que les États-Unis suspendent leurs exportations et l'on verrait à quel point la vie cubaine en était dépendante, techniquement et commercialement. Conséquence, terrain de jeu et chasse gardée en 58, Cuba était le bastion de l'anti-américanisme en 60. La canne à sucre est la meilleure et la pire des choses. D'un côté, c'est une hydre bienfaisante. On la coupe et elle repousse jusqu'à 20 fois. Pour assurer la récolte de ce débit, le gouvernement au complet, y compris le président de la République d'Orticos et le ministre des Affaires étrangères Raoul Roa, donnait l'exemple d'une mobilisation civile où les citadins firent preuve d'une saine émulation à défaut de technique. Mais la canne à sucre, c'était aussi un piège pour Cuba. Dans cette terre fabuleusement riche où l'on peut tout faire pousser, l'influence étrangère avait fait proliférer monstrueusement la culture de la canne. Au lieu de répondre à la diversité de ses besoins par la diversité de ses produits, Cuba était en proie à un cancer du sucre. De plus, le système du quota faisait absorber toute cette production par un seul marché,
celui des États-Unis. Ce qui, sous une apparence favorable, revenait à mettre l'économie cubaine dans la dépendance absolue d'une économie étrangère. Lorsqu'il devint bien évident que Cuba voulait se soustraire à cette dépendance, les États-Unis ripostèrent par le blocus économique et la suppression du quota. Donc, Castro entreprit de vendre son sucre aux pays de l'Est. Donc, on l'accusa de s'être vendu aux Russes. C'était l'une des deux accusations de base. L'autre était l'absence d'élection. Et l'on pouvait en effet s'étonner que Castro ne fît pas sanctionner dans les formes une popularité éclatante. Nous lui avons posé la question. Eso parecería difícil de comprender en algunos países, si no tienen en cuenta que nuestro país había sido engañado durante 60 años por unas farsas que llamaban elecciones, es decir, por una pseudo-democracia, por una falsa democracia, que también ha estado engañando a los pueblos de América Latina durante siglo y medio, sin haber resuelto jamás, que han servido para llevar al poder a toda clase de hombres mediocres, de políticos ambiciosos y ladrones, de servidores de los intereses creados. Llegará el momento oportuno en que la revolución como proceso dinámico que es hoy, como proceso que destruye lo viejo y construye lo nuevo, vaya institucionalizándose. Ni nosotros somos eternos, ni el minuto que vive la revolución es eterna. Es decir, que llegará un momento en que todo el nuevo orden que la revolución crea vaya adquiriendo carácter institucional y que esa democracia esencial y real vaya creando también formas nuevas. Primero, una sociedad que nace y después esa sociedad cobrará forma institucional, esa democracia nueva cobrará formas institucional. Y sin embargo, por ejemplo, los franceses debieran ser los primeros en comprendernos a nosotros, porque los franceses tienen una elección casi todos los años, o municipal, o nacional, o para presidente, o para diputado. Es decir, que posiblemente ningún país del mundo haya tenido en estas seis décadas de este siglo más elecciones que Francia. Y sin embargo, los franceses están descontentos. Los franceses pueden comprender perfectamente que las facciones políticas, el electoralismo, no han resuelto ningún problema fundamental de Francia. A veces ocurre que las clases dominantes se aburren de las elecciones y entonces van hacia el fascismo. Hacia el fascismo. Ahora, lo que ocurrió en Cuba fue una revolución que va hacia el socialismo, y de la cual revolución surgirá un régimen y una vida social nueva, que a su vez institucionalizará, para no darme por vencido, ese nuevo orden legal, donde los pueblos serán en realidad los que cuenten. Mientras tanto, nosotros tenemos una elección aquí todos los meses, pero es una elección en la plaza pública. Tenemos una especie de democracia ateniense. La révolution, ce n'était pas seulement des foules. Dans la vallée des Deux Sœurs, près de Vignales, sur une muraille striée comme une illustration de Jules Verne, que faisait cet alpiniste harnaché, casqué et bondissant? Il faisait de la peinture.
Un jour, un peintre avait décidé qu'un flanc de montagne se ferait un beau support de fresque pour le peuple. On lui avait dit, voilà une montagne, pas trop passante pour l'expérience. Depuis, les paralpinistes interposés, il peignait sa montagne. Un poquito más para arriba, un punto más, a la derecha, un poquito más. Pero te digo que un poquito más a la derecha, un poco más para arriba, ahí está. Nous n'attendions pas spécialement Baudelaire au milieu de la révolution cubaine. Mais parce que tout est possible à Cuba, il nous a été donné de voir un paysan de Pinar del Rio, harnaché et casqué comme pour un assaut, faire sous nos yeux l'ascension d'une jeune géante. Ce fut un jour de vacances. Sous forme de montagnes peintes ou de centres touristiques sur pilotis, la révolution est évidemment moins trépidante que dans les coopératives ou les bureaux de l'Institut du cinéma. Ce fut une pause, une journée propice aux découvertes les plus folles. Que le bonheur est le bonheur, que la vie est la vie. L'odeur des pins de la Guira, les voix des filles, parmi les escaliers de bois et les cabanes qui dorment debout sur leurs quatre pattes comme des échassiers, c'était l'étoffe dont se composent les moments qu'on a peur d'oublier. L'éveil de guerre, le dernier jour de vacances. La rentrée était toute proche et la guerre n'était pas loin. Incendie des champs de canne. Tout cela n'était possible qu'en fonction d'une autre menace, plus grave. Pour le deuxième anniversaire de la Révolution, Fidel Castro proclama la mobilisation des milices. Sur les côtes, parmi les vieux canons espagnols, commença une longue veille. C'est en pleine mobilisation, dans l'atmosphère tendue des grandes vigilances, que le hasard allait nous donner une clé pour comprendre Cuba. Nous étions à un carrefour, attendant le passage d'un orchestre d'enfants que nous voulions filmer. La matinée était assez lourde. La nuit précédente, un violent accident aérien avait précisé les inquiétudes. Les gens autour de nous n'avaient pas l'air particulièrement dionysiaques. Changement de rythme, nous n'avons rien remarqué. Sinon, quelques spectateurs vaudou. Au second changement de rythme, quelque chose déjà s'allégeait autour de nous. Et soudain, thank you.
Telle était la Havane en 1961. Mitrailleuse sur les toits et conga dans la rue. Dans le reste du monde, la vie suivait son cours normal. Parlait-on dans le monde à cette époque? De gens, de pays, d'animaux fabuleux. De l'Algérie, de la France, de l'Amérique, de l'espace, du temps, du Congo. Du Laos. Et des formes que prendraient dans la deuxième moitié de ce siècle la violence et la prière. Écrivait aussi l'Apocalypse. C'était le livre le plus cher du monde. C'est alors qu'on s'est mis à parler dans le monde, également, de Cuba. Commentant la situation, M. Dean Ross, secrétaire d'État américain, a déclaré au cours d'une conférence de presse, les États-Unis n'interviendront pas. Ils sont actuellement dans le pays, a-t-il ajouté, n'est pas une affaire entre les États-Unis et Cuba, mais bien une affaire entre la dictature de Fidel Castro et les Cubains. Lorsque la radio, ce 17 avril, annonce que l'attaque contre Cuba est lancée, la première parade de la mémoire est de retourner à La Havane, de refaire à non plus finir cette dernière promenade. Alors les slogans ne sont plus des mots empaillés, ils sont les oracles qu'une main a tracés sur les murs. De l'Est, les chantiers de la Pastorite, qui donneront un logement à 4000 familles. Le fonds de logement est alimenté par les billets de loterie. Avant, le produit de la loterie allait dans les poches de Batista. D'une loterie à l'autre, il n'y a pas seulement le passage de l'escroquerie à l'honnêteté. Il y a le passage d'un monde à un autre monde. Deux mondes où l'argent ne joue pas le même rôle. C'est tout. Et ce que ne savent pas les Américains candides qui, le jour même du débarquement, entreprennent d'acheter des terrains à Cuba, c'est que ce passage est irréversible. Mais nous, à 8000 km de là, nous n'avons derrière nous que le souvenir et la confiance. Et devant nous, que les fausses nouvelles. Marais de Zapata, Playa Girón, lagune du Trésor. C'est ici que s'est produit le débarquement. Me da dos panas.
cours d'une conférence de presse, les États-Unis n'interviendront pas. Pas personnellement dans ce pays, a-t-il ajouté, n'est pas une affaire entre les États-Unis et Cuba, c'est bien une affaire entre la dictature de Fidel Castro et les Cubains. M. Dinrusk a fait remarquer ensuite que les événements de Cuba n'avaient pas pris leur départ sur le territoire des États-Unis, mais que les États-Unis n'en éprouvaient pas moins de la sympathie envers, nous citons, tous ceux qui combattent la tyrannie. De proclamer l'état d'urgence à l'échelle nationale. Le communiqué officiel vient d'être diffusé par radio de La Havane. Fidel Castro a annoncé, nous citons, que les envahisseurs avaient débarqué par la voie des airs et par mer dans la province méridionale de la Villa à Cuba. Le 20 avril 1961, le monde apprit que l'attaque contre Cuba avait échoué. Le monde apprit du même coup que le peuple cubain tenait à sa révolution, qu'il était prêt à la défendre. Nous nous serions fait un plaisir d'annoncer ces nouvelles au monde, s'il nous l'avait demandé. Mais il semble bien que ce monde ne croit toujours que les témoins qui se font égorger, et qu'au besoin, il est prêt à les égorger pour les croire.